Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Voici la guidance astrologique du mois d'avril 2024 pour le signe du Capricorne et ascendant. Du 1er au 30 avril, Mercure rétrograde en secteur 4. Mercure représente les communications, les échanges, l'intelligence, l'éloquence, les négociations, le sens des affaires. Mais ce Mercure est rétrograde. Cela indique un refoulement de son influence, ce qui tend à provoquer des retards dans les promesses qu'elle représente. En maison 4, ce Mercure rétrograde force une grosse prise de recul autour de la sphère familiale. Il faut revoir ses bases, sa stabilité, ses racines, et les repenser, les remettre en question, aller au plus profond des choses. D'un point de vue plus pratique, cela peut occasionner des retards ou des contraintes au niveau familial, par exemple dans le cadre d'un déménagement ou des travaux dans sa maison. Vénus, qui symbolise l'art d'aimer, le bonheur, les plaisirs, la chance, les arts, la joie de vivre. Du 1er au 5 avril, en secteur 3, les relations, les contacts vont être ici teintés de chaleur. Les négociations seront favorisées, car vous n'hésiterez pas à user de vos charmes, séduire votre interlocuteur pour le faire céder. En général, ce transit apporte une communication plus enthousiaste, facilitant les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses. Du 6 au 29 avril, Vénus en secteur 4. Ce transit peut créer une lourdeur, une déprime au niveau de l'entourage. Mars, planète de l'action, du dynamisme, du courage, de l'initiative, de la volonté. Du 1er au 30 avril, en secteur 3. Ce passage va rendre votre communication plus agressive, plus affirmée. Vous saurez imposer votre opinion, défendre vos idées avec détermination. C'est une excellente période pour convaincre. Il vous sera également difficile de tenir en place. Vous serez perpétuellement en mouvement. Vous serez très actif, réactif. Il vous faudra parfois modérer vos paroles, sous peine de blesser, car vous pourriez devenir virulent dans vos propos. Jupiter, planète des opportunités, des portes qui s'ouvrent, de la chance, de l'expansion, du bonheur, du bien-être, en secteur 5. Pour les quatre derniers degrés du deuxième décan et pour les trois premiers degrés du troisième, pardon, décan. Cette période est favorable à la créativité, aux enfants, à l'amour. Vous pourriez faire une rencontre amoureuse pour les célibataires. C'est un moment propice pour entreprendre de grands projets artistique, élargir son cercle social ou s'aventurer dans de nouvelles relations amoureuses. Voilà, ces prévisions ne sont que des tendances, des indications. Gardez pour vous ce qui résonne et laissez le reste. Je vous souhaite un bon mois d'avril et prenez soin de vous. Je vous transmets des ondes d'amour. Au revoir, à bientôt.